Ah, j'arrive pas à le recracher ce truc, c'est dégueulasse. Ah les amis, vous êtes là. Ouais, qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'en ai marre de ces trucs à bouffer sur cette planète là, parce que ça me fait des énormes plaques là sur les bras, et même de partout en fait. J'en ai juste que... Vous voulez pas le savoir en fait. Et donc, bah on va retourner pour notre aventure dans Journey to the Savage Planet. Et on va reprendre là où on en était pour voir les nouvelles missions qu'on va peut-être déverrouiller. Et puis les nouveaux endroits qu'on va explorer. Et puis, ce qui va surtout nous arriver, je crois. Allez, on enfile la combi, on y retourne. Alors, je vous rappelle que mon employeur m'a laissé un message la dernière fois. On va tout de suite aller écouter de quoi il veut me parler. Ouf. Vos restes de viande, de graisse et de cartilage finissent toujours aux poubelles. Quelle perte! Ou pire, dans les toilettes, dégueulasse! Grâce à Meatbody, retrouvez le sourire en réutilisant vos déchets de viande. Un chaleureux compagnon reconstitué fait partie. Oh non! Vous n'avez qu'à prendre vos déchets de viande, non! Et même de protéines cultivées en laboratoire, les mettre dans la machine, choisir le nombre et le type d'organes que vous souhaitez. Ne regardez pas avoir, ça, les enfants. Vous allez bientôt savoir ce qu'il y a dans les nuggets. Vous donner tout plein d'amour. Allô, maman. Meatbody, le chaleureux compagnon de jeu de Slimo. Je crois qu'ils se sont vraiment lâchés sur les pubs, parce que c'est... Ça y va fort quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à dire mon patron, nom de Zeus? Je sais pas quel parfum elles sont, ces pilules, pour corriger la gravité, mais... C'est pas ce que j'attendais. Spam. Spam de l'espace. D'accord, on m'invite à flinguer tout ce qu'il y a sur la planète, à explorer de partout, à looter et à fabriquer, à crafter des objets et bien entendu m'amuser. Ce qu'on ne manquera pas de faire aujourd'hui. Et ben dans notre Zeus, vidéo, qu'est-ce qui se passe? Oula. Ah d'accord, ça c'est les pubs. Bon, on déverrouille même les pubs. Ah personnel, ça doit être le message du boss. Allô? Ça marche tu que dans... Ah pardon. Hey chose, ouais, toi, allô? Désolé pour le message à sens unique, là, mais bon, la communication intersidérale, qu'est-ce que tu veux, ça a ses limites. On m'a informé que tu avais atterri sur ARY-26. J'ai examiné une partie des données préliminaires et on a quelques questions. Ah. Bon, comme tu sais, toutes les planètes sondées n'ont pas, jusqu'à maintenant, montré de signes de vie intelligente. Sauf que ta planète est... bizarre. Bizarre, tu as dit? non, bizarre, pas bizarre. Bizarre? Différente, originale. J'ai. Nous avons besoin de savoir ce qui se cache dans ce tour-là, ok? Comment nos scanners l'ont manqué? Qui l'a construite? Peut-être la taille, hein, elle était peut-être un peu petite. La place en profondeur. On cherche une nouvelle maison pour l'humanité, après tout. Je veux que tu transmettes ces données directement à moi, ok? J'ai déjà mis à jour ton protocole de transfert. Ça va être notre petit secret pour l'instant. Ce boss suinte d'une honnêteté plus vraie que nature, c'est incroyable. Ok boss, c'est toi le boss, on va y aller. Bon tant pis pour les autres vidéos, c'est les pubs de toute manière. Et je pense que les pubs, on manquera pas d'en avoir. Est-ce qu'il y a de nouvelles annonces? Oui, parce que c'est n'importe quoi. Alors pour les gens qui débarquent, qui ont raté le premier stream, ça c'est mal. Je vais pas tout réexpliquer, vous aviez qu'à regarder, et d'une. Et le jeu ne manque pas d'humour, hein. C'est pas un jeu d'exploration super sérieux. De surcroît, le doublage est en tabernacle, oui, en canadien. Et du coup, bah, ça donne encore un plus un petit cachet, bien que je t'utilise des expressions que nous autres, Français de l'Hexagone, n'utilisons pas trop, et qu'on adore entendre, faut bien l'avouer. Oui, on aime nos amis, nos cousins canadiens. Où vais-je retourner? Alors, oui,
Chaque fois que je veux retourner sur la planète, en fait, le vaisseau principal, le vaisseau mère, me sert de hub central dans lequel je vais rassembler tout ce que j'aurais collecté de manière à pouvoir crafter différents objets. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être regarder si je pouvais pas crafter un truc. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et je continue d'expliquer en même temps. Et donc, l'objectif, c'est d'explorer en bas, bien entendu, de ramener des ressources, évidemment. Et puis de venir régulièrement. Sur, elle a vraiment un sale goût cette pilule entre une correction de gravitation. Sur notre imprimante 3D, on ne manquera pas d'utiliser tout ce qui nous est offert. Non, j'ai crafté la dernière fois. Ah, si, le sac à dos, je peux peut-être l'agrandir, ce serait une bonne nouvelle. Et en haut, on a les ressources qu'on récupère sur la planète, dont un alliage que je n'ai encore jamais trouvé. Et du coup, ça nous pousse à aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et vous dites, je vais pas aller hâter de faire des allers-retours. Avec mon astronef, ma navette en bas. Et en fait, non, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut trouver des téléporteurs apparemment régulièrement dans le jeu, quand on avance dans l'exploration. Mauvaise nouvelle, j'ai pas vu de map, les gars. Hein. Et quand vous connaissez mon talent à tourner en rond, ça peut être assez rigolo. Je peux l'améliorer, ce serait chouette. Ah, frag. Bien dommage. Oh, j'ai un double jump aussi avec le sac à dos, faut que j'y pense à ça. Je pense que c'est une des améliorations que je vais m'empresser d'améliorer dès que possible. Oui, on va retourner direct là-bas. Allez. Ok, je risque pas de m'en servir de cette fonction tir boosté que j'étais en train d'essayer. Parce que déjà elle met 2 heures à. Elle met 2 heures à déclencher et elle me semble très 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 hasardeuse. Par contre, il faut rapidement que je crafte un grappin. Regardez tout ce qui m'attend là-haut. Alors je pense que les zones où on démarre ne sont pas forcément celles qu'on aura explorées en entier dès le début. Hein. Oui, je suis un explorateur, donc je fais absolument tout et n'importe quoi, j'ai le droit. Et tout le monde sait que c'est des explorateurs que sont nés les plus grands fachos. Ouh, c'était supra méchant ça, mais tellement réaliste en fait. Je m'éloigne du sujet? Oui, j'en ai bien peur. Alors, ça, j'ai déjà scanné. Alors, il faut que régulièrement je m'en serve de mon scan pour scruter l'environnement. Et puis à rapporter des datas à mon patron qu'on a tant besoin. Allez, on va tracer. Enfin, tracer, c'est une vue de l'esprit. Hein. Je peux courir, mais pas supra longtemps. Et j'ai rien qui m'indique quoi. Si là-haut j'ai un truc à gauche dans cette caverne qui a l'air super accueillante, dites-moi. Hé, ça sent la Franche-Poilade. Je crois que j'ai un coup là. Non, il est où mon coup? Non, j'avais un coup de poing. Ah, c'est une gifle. D'accord, c'est ridicule. La grotte des merveilles scintillantes. Je pense qu'il va y avoir des trucs qui brillent. Spoiler. Vas-y, zit. Ça se scanne pas. Peu-feu. Ça doit se biduler ce truc, avec un machin. Sous condition que j'ai assez de produits annexes pour. Est-ce que c'est des nouveaux, eux? On va essayer de voir ça. Arrête de bouger, gars. Ah, grognogneux. Je l'ai déjà scanné en fait. Ah, quelle erreur. Alors, tout c'est. Je sais pas ce que. On va explorer. Hein. Alors ces petits machins sont pas offensifs tant que moi je le suis pas. Oh, regardez-moi ce drift. Je me suis cogné un genouille. Zut alors. Est-ce que je l'ai déjà scanné ça? Je m'en rappelle plus. Non. Ça brille, mais ça pourrait être utile. Servir de balise de fortune. Un checkpoint, tu veux dire? Ah, une lumière.
Ce jeu est dingue. Il y a un passage là, apparemment. Est-ce que je le plope ou je le plope? Il y a un truc vert derrière. Allez, on va le ploper. Ça, pour jeter? Non, ça. Allez, on va voir ce que c'est, ça. C'est quoi? Ramasse. Hop là, c'est à moi. Je sais pas du tout ce que je viens de ramasser, mais c'était vachement bien. Vous pouvez que me croire. Ah, du coup, il faut que je retrouve de la lumière. Quelle ploperie. Alors, c'est vraiment original la façon dont ils ont abordé le truc. Baisser. Hop. Obligé de se servir de végétaux comme lampe. Qu'est-ce que quoi? Analysons cette chose. C'est déjà fait. Ok. Donc ça, c'est une autre loupiote au cas où... Ben voilà. Elles sont limitées, les loupiotes? Zut alors. Il faudrait que je recharge si j'ai un souci. Mais... Ah, ça va aller mieux. Et oh... Oh... Vous avez vu comme j'ai eu l'élan coupé? Je ne la referai pas, celle-là. Et oh... Les amis... Je suis sûr qu'il y a plein d'amis, ici. Regardez-moi ça, on va le scanner. Je suis sûr que c'est un poteau. Ah oui, c'est ceux qui sont malades. Ils ont chopé le virus à la mode du moment. Bah vous voyez, il n'y a pas que sur Terre. Il y a un truc bleu là-bas qui semble fait pour être fracassé. Enfin, il y a une embrouille. Comment je monte, moi, là-haut? J'ai pas le grappin. Eh oui, sans grappin, tu n'es rien. Petit, 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 petit. Est-ce que je me défonce la tête de là? Non, il y a une descente un petit peu plus délicate apparemment par le côté, là. J'aurais dû prendre une loupiote. Est-ce que je les défonce? Ouais, ça me défoulera un peu. T'es malade. Je te rends service. Je lui ai rendu service. Ne négocie pas. Je sais pas ce que vous êtes de toute manière. Hop, et je ramasse des ressources. Car, bien entendu, je rappelle, il faut crafter hein, dans ce jeu également. Mais ça a pas l'air d'être une part trop violente du titre. Sinon, j'y jouerai pas, je vous le garantis. Un petit peu de varap. Et on va regarder ce que c'est, ça. Quoi qu'est-ce? Comment ça, je peux pas y scanner? Ok. Donc c'est juste du décor. Je me suis fait... Faut que je défoule ma hargne. Oui, je suis un sale colon. Forcément, j'en profite à mort. On va passer là-dessous, hein, d'ailleurs, quelque chose. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Forcément, quelque chose quelque part. Oui, j'ai sorti la grosse voix. Je vais plus parler pour que vous ayez un peu les chocottes. Dans les streams. Waouh! Hey, on est peut-être en train d'admirer la première œuvre d'art extraterrestre jamais recensée. Oh, c'est l'essence en fait! Oui, parce que je suis un petit peu en panne d'essence vu que je me suis posé comme un. Insérer une expression courante ici. Et du coup, ben, j'ai eu une fuite de carburant qui a fait que mes réservoirs sont vides. Et il faut absolument que je trouve un moyen de fabriquer de l'essence. Ok, Doc. Je sais pas pourquoi je sens un coup à la Indiana Jones. Oui, vous vous souvenez du truc, là, de l'idole, puis la grosse boule, après, surtout. Moi, je me souviens de la grosse boule, surtout. Prélever et analyser. Alors les dialogues sont quand même assez cracro parce que si vous aimez ce genre d'humour, je crois qu'ils y sont allés carrément avec l'appel à neige. Hein. Bah c'est des Canadiens, faut pas déconner quand même. Donc du coup ils se sont lâchés, ils se sont vraiment lâchés et c'est vraiment très drôle quand même. Je m'attendais à quelque chose de plus relou et j'avoue que c'est très marrant. Ah ah ah, super. C'était prévu pour, ça va. Give me the light. Alright, tonight.
Faut que j'arrête de chanter dans les streams. Alors, je vais vous dire d'où l'origine de cette sale manie qui commence à m'envahir. Elle commence par un D. Oui, Doline, c'est toi. Parce que je vous rappelle que Doline a un canal qui n'est pas que girly, puisque elle chante également. Et du coup, très fréquemment dans ses streams, même pendant des jeux, elle chante aussi. Et à force de regarder, je pense que j'ai un peu déteint. Je ne te remercie pas, Doline. Bah, on va rentrer tranquillement à la maison, hein. Qu'est-ce que je fais de ça? Bah, je vais ramasser des ressources aussi, c'est bien. Clop. Bon travail, tu as maintenant toutes les ressources nécessaires à l'impression d'un nouveau propulseur Tiens, flambant cadeau. neuf au module Je peux pas lui balancer d'habitation. dessus, ça? Même s'il n'a jamais été testé et qu'il est probablement super dangereux, je te garantis des heures de plaisir. Je t'ai pas écouté, mon IA, dis donc. Je suis désolé, hein, j'étais en train d'essayer de comprendre ce type de truc. Comment que je monte-t-il là-haut? Ah, je suis en roi de la varap ou pas? Ou pas? Putain, mais d'en tuer moi! Poussez-vous les trucs, je vais m'énerver. Il y a peut-être un passage là-bas, peut-être plus simple et fait pour, on va dire, même carrément. Nous ne sommes pas. Il faudrait que je retrouve mon vaisselle. Mais j'ai un truc à droite. Je me rappelle plus ce que symbolisent les icônes. J'ai la flemme de regarder dans le truc. Ok, c'est le téléporteur à droite. Ok. Alright. Et à gauche, j'ai 425 mètres. Ça doit être mon vaisseau. Je présume. Et elle m'a dit quoi, la pépette? J'ai rien écouté en fait. Parce que j'étais en train de vous parler, quoi. Je peux pas tout faire. Je suis monotache, moi. Le vrai mal, 100% mal. Attention, je clique. Je peux pas penser en même temps. Quand je me déplace dans les menus, je peux pas lire. Ouh, je viens de trahir des grands secrets. Arrêtez le suivi. Maintenant, on est bon. Donc là, j'ai plus qu'à rentrer. Et je peux le fabriquer tout de suite. C'est le bonheur. Alors, je pense qu'il faut que j'aille au vaisseau. Ça doit être ça. On va aller dans le téléporteur. Hein, histoire de se dire qu'on va au plus court. Ce serait la meilleure nouvelle du jour. Après l'invention du topinambour. Oui, c'était pour faire des rimes sans calembour. Ouh là 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 là, la grande forme. On n'est pas dimanche pourtant, c'est étrange. Extérieur du javelin, c'est là que je veux être. Et je pense qu'il va me proposer de pouvoir réparer quelque chose, si je me suis bien débrouillé. Sinon, c'est que j'aurais fantasmé. Oui, je suis à 10 mètres de ma cible, donc c'est parfait. Vous avez vu ce que l'amour fait faire? C'est fantastique. Froid. Froid, chaud. Bon, j'ai rien compris du coup. C'est sûrement pas là. De toute façon, c'est une pièce à manufacturer, donc c'est peut-être mon imprimante 3D plutôt qui me rendrait service. Hein. Soyons un peu logiques. Est-ce que je suis pas? On s'en fout. Téléportation. Je m'en fous, vous allez parler à un autre dans moins d'une seconde. I am Gunther. This is my film, Quake 2. I love story. You like? I don't care if you like! Quake 2 for Nintendo 64 and PlayStation game console. Téléportation. Je m'en fous, vous allez parler à un autre dans moins d'une seconde. Je peux fabriquer une amélioration, si ça te tente. Alors je sais pas ce qu'il vous a raconté, l'autre qui était sur la planète, et qui a été désintégré hein, pour laisser place à moi. Je fais super bien mon rôle de clone. Pourquoi on regarde les pubs, elles sont trop nettes. Créer de minuscules formes de vie humaine en mélangeant de l'eau radioactive à moins de 0 degré Celsius et un paquet de poudre de micro-vie, puis observer les occupants de votre centre commercial grandir. Oh, les Artemia de Pif Gadget, du Turfu. Regardez-les promener, faire des achats et vivre leur vie à mesure qu'ils se déplacent de manière autonome dans votre complexe commercial. Totalement inconscient de votre présence. Étudiez une activité terrienne typique fascinante ou annoncez un vendredi fou et plongez vos clients dans une violente chasse aux ovelles où seuls les plus forts survivront. Minimal Monkeys Micro Mills Plaza est livré avec son centre commercial en biocaisson environnementalement stabilisé, 3 paquets de micro-singes en poudre et un bâtonnet pour mélanger. Parlez Labs. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, ça me rappelle un jeu qui a existé, qui avait été fait par les développeurs de GTA, avant de passer au 3, je crois,
où on était un espèce de lycéen et on harcelait les gens. Il y avait tout un passage dans un centre commercial où pareil on était là pour foutre juste la merde. En fait pour eux c'était surtout un... ce jeu était très naze, c'était surtout un entraînement pour faire de la simulation de foule cohérente dans les rues je crois. Ouais, c'est celui qu'ils ont fait juste avant GTA 3. Et du coup, ça leur a bien servi pour GTA 3, ce jeu-là était minable. Mais du coup, c'est exactement ça, la pub qu'on vient de voir. C'est n'importe quoi. Bon, je vais voir ce qu'on me raconte mon imprimante 3D, on sait jamais. Équipement objet. D'accord. Il y a vraiment un paquet de trucs hein, qu'il va falloir que j'explore. Alors, je sais pas si je prends le temps de faire ça off. Parce que moi je suis très long, faut vraiment tout, que je lise tout. On va préfabriquer ce damné propulseur autonome qu'on m'a invité à créer. Ah, mais merde. Je vois que t'as amélioré ton propulseur autonome. Même s'il n'est pas encore à son plein potentiel, il devrait te permettre de te rendre à des endroits qui n'étaient pas accessibles avant, avec un minimum d'émissions de polluants atmosphériques en plus. Donc, en fait, ça fonctionne un peu comme un Metroidvania, hein. C'est-à-dire que petit à petit, à force d'explorer les premières zones, bah, ça va en déverrouiller d'autres, et on va accéder à des fonctions aussi pour notre avatar qui va le rendre équipé de gadgets qui lui permettent d'accéder à d'autres endroits. Ok, s'il fonctionne, c'est tout ce qui compte. Mission, j'ai quoi à faire, les amanches ? Trouver l'alliage extraterrestre. Je l'ai toujours pas trouvé. Ah oui, mais maintenant je peux sauter plus haut. Ça veut dire qu'il est planqué plus haut, toujours plus haut. Pas chanter, mon gars. Et pourtant, c'est ce qui écrit. Oui, je le meumeume, ça sera mieux. Ok, on se téléporte, ça sera mieux. Banzai. Donc, je dois trouver cet alliage qui, apparemment, d'après les indices donnés, se trouve dans un endroit qui est plutôt en hauteur, si on écoute bien, enfin, si on lit bien, surtout. Température ambiante, 50 degrés Celsius, biomarqueur de Mignon. Ah oui, il faut que j'essaye. Oh, fuck yeah. Oh, faut que j'essaye. Sur quelque chose de crédible, tant qu'à faire. Je sais pas si j'avais arrivé à cette hauteur, ça m'étonnerait bien, mais... Parce que celui-là, il est fait pour le grappin. Ils vont pas me faire un truc que je peux atteindre sans grappin. Ok, moi je pense qu'il est plutôt étudié pour les sauts en longueur. On va dire ça. Alors je pense que le mauve, c'est le fameux alliage que je cherche, qu'il va falloir que je fasse tout le tour, parce que là ça passe pas, il y a un fossé, il y a un... Ça passe pas quoi, ça... Et là la flèche elle fait... Tu reviens dans ma map, sinon ça va mal se passer. Ah non mais c'était pas ça, c'était les ennemis. Ok, je me suis fait loquer par deux... Va falloir que je leur donne des noms perso à ces bestioles d'ailleurs. Des Flabibulco. Ou des Bunchalef. Ah mais ils me suivent les cons. Je me barre. Eh oui non mais c'est le Far West. Hein. Il y en a encore hein. Il est où? Bon je ne sais pas. C'est pas grave. Je suis à donf sur la santé. J'ai bien l'intention de me servir de mon super boost de Jumpy Jump. Comment ça, c'est pas son vrai nom, vous allez voir. Est-ce que je peux m'accrocher avec mes petits bras musclés qui sont les mains occupées? Non, c'était pas volontaire, les rimes. On va voir ça tout de suite. Dans mon quoi? J'ai pas entendu la suite. Oui, mais moi, je suis du genre à insister. Je veux pas faire le... Mais si, je vais le faire, justement. En longueur, ça passe. On essaye, on va essayer. C'est une zone test. Damne oui! Oh là là! Et maintenant tu fais quoi? On va dire qu'en face j'ai le groove et que ça va passer. Concentration. Oui, vous connaissez mon talent dans les jeux de plateforme. C'était chaud, chaud ça. Mais qu'est-ce que de. Mais que, quoi? C'est une veine d'aluminium. Un nouveau matériau! À croire que c'était fait pour? Frag, yeah! Va falloir que je fasse de la varab donc. Alors je confirme, je suis pas bon en jeu de plateforme. Donc ça va être un calvaire, ça risque d'être très long. Il va y avoir des coupures au montage, je crois. Allez, feu, flamme, go. J'avais prévenu personne, mais écoute, de toute façon, je vais faire Bakri et je rentre chez moi. Oui, je fais super bien Bakri, il paraît.
je vais suivre bêtement mes curseurs en haut. Hein. Parce que je suis un peu une quiche pour m'orienter. Ça c'était un secret que j'aurais pu garder d'ailleurs. Ça aurait été mieux. Là, niveau crédibilité, je viens de perdre je sais pas combien de points, beaucoup. Qu'est-ce que quoi ce truc rouge? Oh, y a un gros truc qui... Ça se flingue pas? Ok. Si ça se flingue pas, ça m'intéresse pas. Poussez-vous les trucs. Il y a du mauve à droite. Mais pour y accéder, il va falloir jumper. Je sais pas du tout où je vais, mais... Alors, ça fait un moment que j'ai pas trouvé de nouvelle créature. Ça aussi, c'est bizarre. Je me demande ce qu'on me réserve. Faut que je saute en face. Oh là là. Faut que je mette mon chapelet anti-Marcus. Vite. Ah là, ça va mieux. On y croit. Fuck yeah. Secret à proximité. What the what? Ça, c'est ce que je dois ramasser. Il y a un secret à proximité. Comment je le trouve? Je veux le trouver. Je veux le secret. Je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas eu le secret. How to find the secret where it is? Here? No. You're kidding. You're joking. You're laughing at me. Ici, il m'a dit lui. Rebascule en normal. J'y vois pas grand chose. Ça, c'est d'où je viens. Ah, oh, j'ai tourné sur moi-même du coup. Je sais plus du tout par où je suis. Un secret, mais c'est pas un secret, je le vois ton truc. On va dire c'est ça. Yatta. Eh, un secret. Bon, celui-là, double jump, ça passe. Ouais, je suis crédible. Puis y a pas trop le choix de toute manière. Feu, flamme, créer de cinéma pour les parties plateforme. Je suis d'accord avec vous. Pas de secret là. Si vous voyez un secret, vous criez, hein. Ça, c'est du miam. Ok, ben je vais aller voir les miam boys. Oui, les miam boys. Hop là. Oh, regardez-moi cette plante. Ah oui. Alors, je sais pas comment ça marche. Ton orifice tourmillonnant rempli de viande et d'incisives classiques. Donnez-en à manger à un oiseau. Et admirez. Faudrait que je prenne un oiseau et que je le balance dedans. Non, c'est vraiment horrible. Je vais pas faire ça. Comment ça, j'en crève d'envie. Regardez, regardez, regardez. Piu piu. Des piu piu. Le rat miam miam. Ouh, il est de bon le rat miam miam. J'en mets plein. Mange ça, c'est bon, hein. Tiens, un autre. Mais c'est cruel, mais c'est trop drôle. Oh purée. Oh, ce jeu me plaît. Encore. Regarde, bah encore, il y en a là-bas. Je rigole d'avance, ça va être un carnage. Ce jeu me plaît. Donc il est forcément bon, croyez-moi. On va mettre un coup de scanner au lieu de dire des bêtises. Donc il y a encore du miam-miam. Et puis il doit y avoir des moments où le miam-miam, faut le ramener à un endroit précis, ça doit être, faut réfléchir un peu. Bon, on verra bien après. J'ai le temps de m'inventer des problèmes. Oh là là, ce jeu. Je m'attendais pas à ça. J'étais pas prêt pour ça. Je sais pas ce que c'est que ces trucs. C'est une espèce de courgette là. Les piou-piou, faut que je les laisse en vie. Je ramasse de ça. Et je les amène voir des copains. Ça va les piou-piou? Ah, ça va. Vous êtes bien gras? Oui, vous êtes bien gras. Je me demande comment ça va se passer quand je vais tomber sur les piou-piou malades. Oui, je vais les appeler comme ça. Hein. C'est quand même plus fastoche, plus évident. Les pioup, elle est pas en bas, y a rien. Regardez, je vous ai rapporté du gros pff. Du gros pff. À table. Il est l'or. Mon seigneur. Oh là là. Je vais pas m'en remettre de la soirée. Je crois qu'on va terminer le stream là-dessus. Non, on va se trouver quand même un endroit un peu plus glam. Un petit jump. Oui, ça sert à jumper, ça. Je sais pas encore en servir comme il faut. Voilà. Il me faut un peu le temps. La table. Regardez ce que je vous ai amené. Non, ça, c'est une mauvaise idée. Parce qu'ils vont rebondir dessus. Je t'enlève. Qu'est-ce que tu me veux, toi?
Oui, bouge pas, je vais chercher à manger. On va trouver un truc à manger. J'ai passé toutes mes capsules de schnorgule là. J'aurais dû mettre en retour caméra parce que j'ai du mal à pas rigoler en fait avec ce jeu, c'est terrible. Où c'est que j'ai un distributeur? Juste en bas? Ça veut dire que j'aurais pas dû gaspiller tous mes trucs? Eh oui, idiotie. Bon, tant pis. On va courir un peu. Oh, j'en bondis de joie, quoi. Regardez-moi ça. Hop, hop, c'est bizarre, ça. Un mur fissuré. J'ai une petite idée de ce qui s'est passé ici. Je pense que des explosifs ont été utilisés. Cette amélioration serait extrêmement utile. J'ai envoyé une demande à Kindred, mais il reste encore à localiser les ressources nécessaires sur cette planète. À suivre. Ok, donc. Bon, faut que je déverrouille un truc qui me fera faire, qui me fera avoir une grenade. Et j'aurai accès à une petite amélioration qui a l'air planquée dedans. Mais dans l'immédiat, il faut que je trouve. Ah, tiens, ce que j'ai raté. Il faut que je trouve de la bouffe pour mes pioupes. Eh oui, c'est que ça bouffe à cet âge-là, quoi. Pourquoi il scintille cet arbre? C'est lui le secret? Alors, je vous rappelle que ces bestioles, quand elles mangent, elles aussi, elles produisent des trucs. La première découverte que j'ai faite sur la planète, c'était les gaz. Je détaillerai pas plus, c'est pas la peine. Mais voilà, vous avez le gros indice. Comment je change, en fait? C'est peut-être moi. Oh purée, j'aurais pu changer comme ça avec la croix, en fait. Il dit où je suis, tant pis pour moi. Je vais en profiter pour leur laisser à manger, quand même, parce que... Pourquoi il scintille autant, cet arbre, quand même? C'est étrange. Plop. C'est peut-être les bidons qui le font scintiller tout bêtement. Bon, désolé pour le... contre-temps. Les pioupes, on arrête de rigoler. C'est qui s'est fait bouffer avant déjà? Je sais pas. Un pour toi. Un pour toi, et on regarde ça en gros plan, c'est magnifique. Encore. Je m'en lasserai jamais, ça. Ça peut être répété pendant tout le jeu, ça me dérangera pas. Des noix. Des noix de chez nous. Il faudrait peut-être que je les scanne, non? Oui. Donc si je tombe en panne de bouffe, je peux peut-être me servir de ça. Faut que je le note dans mon petit cerveau. Alors le jeu est assez bizarre parce qu'il vous fait mine de rien mémoriser pas mal de trucs. Hein. Et bon, je connais mon talent pour mémoriser. Ça a l'air sympa là-dedans. On y va. C'est peut-être dans un animal en fait. Je vais éviter. Ah mais je peux straffer comme ça. J'avais pas fait gaffe. Cool. Qu'est-ce que quoi? Je pense pas, non. Non, tu vois, ça fait rien. Je vais m'inquiéter de mes curseurs, en fait. Tout simplement. J'ai un truc à 95 mètres. J'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, faut mater, faut surveiller, faut explorer, faut crafter. Le jeu est assez délire, quoi. Et on vous pousse pas aux fesses avec un chrono, quoi. Ça se passe assez cool. J'ai perdu mon... J'avais un truc qui était proche, je l'ai paumé. Qu'est-ce que quoi? T'es quoi toi? Ah, c'est une arme. Bon. C'est... Ok. D'accord, fallait que j'expérimente, hein. Oh putain, ça
ça va tout péter. Non, 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 non. C'est mon premier clone qui meurt sur la planète. Franklin est mort. Mais j'ai fabriqué un clone de toi pour protéger tes souvenirs. Ne pense pas trop à ça. Notre bio-impression est précise à 99,1%. Si tu meurs pas 49 fois de plus, ça devrait être correct. Eh ben les amis, on va arrêter cette deuxième session dans ce jeu, sur cet écran de pub. Et on se retrouve mardi prochain pour la suite, si tout va bien. Vous n'avez qu'à prendre vos déchets de viande, de chair pourrie et même de protéines cultivées en laboratoire, les mettre dans la machine. Playlist, playlist, bouton d'abonnement sur la pub. Et à bientôt. Ciao. Meat Buddy, le chaleureux compagnon de jeu de Slime.